Dis donc, Gaultier. Oui. Ce client que tu défendais contre l'American Highway Express, c'est infirme, tu sais. Ah, Jean-Marie Mouillet. Oui, justement. Il habitait le Carré Saint-Louis pendant le procès, mais je crois qu'il a changé d'adresse. Oui, c'est possible. Sais-tu où il habite maintenant? Aucune idée. Mais pourquoi veux-tu... C'est un Français, n'est-ce pas? Qui voulait devenir Canadien, oui. Ah, il n'avait pas encore acquis la citoyenneté canadienne. Penses-tu? Cet accident s'est produit 2 jours après son arrivée à Montréal. Eh bien, en ce cas, il n'a même pas droit à la pension d'invalide. Il n'a qu'un droit, celui de crever de faim. Mais depuis quand t'es reçu au sort de tes victimes? Mes victimes? Ah. Ah, Martin, félicitations. Il paraît que tu vas être nommé juge. Farce. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui voudrait juger les autres? Ah, mais tu sais, avec l'influence de ton père, tu peux toujours avoir la tête que tu veux. Pas vrai? Sacré Martin. Quel esprit. Ah, il crève de dépit. C'est normal. Ah! Vous êtes là. Oh, vous m'avez fait peur. C'est bien la première fois que je fais peur à quelqu'un. Votre père Michel me permettait de prendre des livres. Continuez, continuez. Personne ne s'est jamais dérangé pour moi. Les livres d'ailleurs n'ont-ils pas été inventés pour les jours de pluie? Savez-vous si j'étais demandée au téléphone? Monsieur Mercier a-t-il appelé? Mon mari? Je ne sais pas. René pourrait vous renseigner. Bon, bon. Je vais aller me faire coiffer. Je me demandais si pendant mon absence. Eh bien, ça en valait-il de la peine? C'est très joli. Oui, mais vous n'y connaissez rien. Il n'y a qu'à voir votre coiffure. Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Ils n'ont rien, justement. Oh, Dieu sait que vous pourriez être belle si vous le vouliez. Une chose certaine, c'est que vous n'avez pas un visage ordinaire. Seulement, vous savez, être belle ou laide ne change pas grand-chose. Nous sommes toutes destinées en naissant à être malheureuses. L'erreur, c'est d'être une femme. Ah? Les hommes ont-ils plus de chances d'être heureux? Quel est drôle! Croyez-vous comme ça tout ce qu'on vous dit? Oh, après tout, les hommes sont peut-être aussi malheureux que nous, pour ce que j'en sais. Mais au moins, leur vie ne se passe pas comme la nôtre, sous le signe de l'ennui. Si seulement on mourait d'ennui! Vous vous en allez? Pourquoi? Venez vous asseoir. Fumez. Fumez, comme disait la mère de papa quand ses invités parlaient de partir. Non, je n'aime pas le goût de la cigarette. Personne n'aime ça pour commencer. Mais il faut bien fumer quand même pour finir par aimer ça. Allez. Non, vraiment. Essayez au moins. Les femmes qui ne fument pas ne savent jamais quoi faire de leurs mains. Non. Vous ne voulez pas que je vous enseigne à devenir une femme du monde. Vous mourrez. Ça me vengerait tellement de tout ce qu'on m'a forcé à faire et à ne pas faire tout au long de mon enfance. Mais moi, qu'est-ce que ça me donnerait? Comment est-ce que ça vous donnerait? Mais tout. De l'allure, du raffinement, du chic, quoi. Et surtout un art qui vous manque totalement. Celui de ne pas dire et de laisser voir tout ce que vous pensez. Oh, vous ne me paraissez pas tellement meilleur que moi, ce jeu-là. Moi? Mais... je vous trouve étonnante. Croyez bien que lorsqu'il me plaît de jouer le jeu, je peux damer le pion même à ma belle-sœur Geneviève, qui est pourtant une des femmes du monde les plus accomplies que je connaisse. Seulement, il faut que ça m'amuse. Mais ça ne m'amuse plus. Je voudrais bien que ça m'amuse encore. Aimez-vous la vie? Vite, vite, sans réfléchir. Mais oui, j'aime la vie. Avant et après réflexion, j'aime la vie. Comme elle dit ça. Mon Dieu, comme elle dit ça. Pas vous? Jamais. Jamais, jamais, jamais. La tête qu'elle fait maintenant. Apprenez donc à ne pas me prendre au sérieux. Personne ne m'a jamais prise au sérieux. Pourquoi le faites-vous? Ah, c'est lui. Cette fois, j'en suis sûre. Allô?
monsieur Martin. Mais non, monsieur Martin n'est pas ici. Dieu merci, d'ailleurs. Il faudrait ne jamais rien attendre. Ne jamais rien espérer. Minute! Si vous ne voulez pas fumer, vous boirez un verre avec moi. Si, si, je vous prépare quelque chose de très bon. Bonjour, Martine. Oh. Céline, quelle surprise. Je m'attendais si peu à te trouver ici. Tu ne peux t'imaginer à quel point je suis content de te voir. N'est-il pas étonnamment bien élevé? Souvenez-vous-en, Martine, voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire. Cher Philippe, il en met toujours un peu trop pour qu'on le croie. Consolez-le, Martine, je vous le laisse. J'emporte mon verre, par exemple. Mais où ça? Plus tard, j'aime bien parler avec lui. Qu'est-ce qu'elle fait ici, voulez-vous me dire? Ah ça! Monsieur Valis, sont-elles à toi, Philippe? Oui, je viens demander l'hospitalité à ton père pour quelques mois. Toi aussi! Décidément, cette maison va devenir le refugium peccatorum de la famille. Comment ça? Je suis également en visite. Non! Quelle bonne nouvelle! Qu'est-ce qu'il y a? J'écoutais pour voir si ça résonnait juste. Et le verdict? Faux! Oh, elle m'agace, elle m'agace! Mais alors taisez-vous, qu'est-ce que c'est que toutes ces manières que vous lui faites? Mais c'est ainsi qu'on m'a élevé. Céline aussi, d'ailleurs. Et puis zut, zut! Fallait lui dire que c'était vraiment pas la peine de quitter la tristesse, une maison vide pour tomber sur une espèce de névrosée comme elle. Tout est gâché. J'aime autant m'en aller maintenant. Moi qui étais si heureux de venir vivre sous le même toit que vous. Mais je suis contente aussi. J'ai besoin de vous, Philippe. De moi? Ça m'étonnerait. Oui, oui. Pour mes études. Je commence lundi. Oh, ça s'est arrangé? Alors votre mère est revenue? C'est votre cousin Beaujeu qui a tout fait. Il a même payé le professeur 3 mois d'avance. Beaujeu? Maman le remboursera. Restez, Philippe. Vous pourriez tellement m'aider. Vous croyez? Alors, vous ne me méprisez pas trop? Même si je ne vaux pas grand-chose? Oh, pourquoi dites-vous ça? J'ai été si ridicule tantôt. Ça arrive à tout le monde. Et après? Après, Philippe. Oh, vous êtes une fille extraordinaire. Le saviez-vous? Extraordinaire. Arrête ici, devant cette maison-là. Me croirais-tu, Maurice? C'est ici que je suis né. Misère de misère. Misère de misère, oui, tu l'as dit. Je le disais pas dans ce sens-là. Époque royale. Époque royale que je sois sorti de ça. Ah, c'est encore plus pauvre que chez nous. Mais... dans votre jeunesse, c'était peut-être plus beau, mieux entretenu. Continue, Maurice. Est-ce loin encore? Ah, la maison voisine. La prochaine. J'ai pas les clés de la maison que je t'ai montrée tantôt. Mm-hmm. Ma maison familiale. Alors, si tu pouvais... tu vas me trouver fou, mais je voudrais voir comment c'est en temps. Comment c'était. Vous voulez que je trouve un moyen d'entrée? Ouais, une folie. Je ferais ça pendant que je serai ici. Mm-hmm.
Si tu réussis à entrer, tâche de trouver du bois pour faire un feu dans le poêle. Tâche de réchauffer ça un peu. Mm-hmm. J'irai faire un tour avant de retourner à Montréal. Je demande pas mieux, c'est moi qui prends, moi. Alors, quand tu seras prêt, viens me rejoindre ici. Tu pourras m'attendre dans l'auto, je te guetterai par la fenêtre. Bien, monsieur. Je veux pas lui parler. Je veux pas lui parler. Mais il croira jamais que t'es pas ici. Mais ce serait le temps d'en être de lui dire toi-même que tu veux plus le voir. Plus tard. Aujourd'hui, je pourrais pas, je finirais par céder. Ben reste en haut dans ce cas-là, puis montre-toi pas. J'en viendrai bien à bout. Jérémy Martin, l'ancien petit Jérémy, à Clopforce. Eh oui, et lui en personne, Marie-Rose Pépin. Marie-Rose Pépin, ma parole, c'est la première fois que je m'entends nommer par mon nom de fille depuis mon mariage. Hein? Ça n'a pas changé, c'est dedans. Comme au village. Je ne sais pas comment vous faites, nous autres. Il peut y avoir des guerres, des révolutions, des crises, on dirait que ça vous atteint pas. Ça vous agace, hein, les gens de la ville, de voir que nous autres, là, on reste tels qu'on a été créés. Ben, enlève ton manteau, là. Tu vas te le mettre à soir un moment. Et ça fait combien de temps, là, que t'es pas venu? Ah, depuis le début de la dernière guerre, tu le savais. J'étais allé fermer la maison, après la mort de maman. Ben, pas celle d'à côté. Celle que j'avais achetée au village, sur le bord de Vienne. Mais, ben oui, bien sûr. C'est cette année-là que t'as pris Annette et puis Albert à ton service. Donc, au fait, il va-t-il mieux, Albert? Il est pas mal. J'ai vu ce matin, le médecin était dans sa chambre. On le soigne bien, t'inquiète pas. Oui! Qu'est-ce que c'est qui te ramène aujourd'hui? Nous n'allons pas parler, Marie-Rose Pépin. Tu te trompes de porte, Jérémy. Je t'accroire. Comme tu voudras. Où c'est qu'elle est? J'étais ici, tu la verrais. Elle est montée quand elle a vu l'auto s'arrêter devant la porte, je suppose. Penses-tu que ça était dans la maison? Elle résisterait à l'envie de venir se jeter dans tes bras, pauvre Jérémy. C'est ont tes farces plates. On a passé là, je veux dire. Après le beau coup que tu viens lui faire. T'as été tellement bon pour elle. Laisse-nous régler nos comptes ensemble. Ce qui se passe entre ta fille et moi, ça te regarde pas. Si ça me regarde pas, pourquoi est-ce que tu la viens la chercher dans ma maison? Où est-elle? Même si ça me regarde pas, je suis toujours bien sa mère. Toujours bien moi qui l'ai mis au monde. Puis c'était pas pour toi que je l'avais mis au monde, Jérémy Martin, c'était pas pour toi. Hein? Annette! Oh oui, oh, tu peux te prier. Annette, descends tout de suite! Je le sais que t'es là, faut que je vais pas aller chercher. Oh, ben j'aimerais bien ça qu'il y aille, tiens. Oui, vas-y donc, là je verrai. Vas-y donc, là. Ah, je sais bien pas laquelle de tes jambes tu vas te casser le premier. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me fais pitié, bougre de fou. Il est condamné, cet escalier-là, là. Puis avec ton poids, j'ai bien peur, ben à moins que t'aies assez de me battre. C'est vrai, ça, c'est des histoires. Marie-Rose Pépin, si tu... Marie-Rose Pépin. Veux-tu bien me laisser tranquille avec ta Marie-Rose Pépin? Je m'appelle Marie-Rose Julien, tu le sais pas encore? Quand une femme a enduré un homme toute sa vie, il me semble qu'elle doit bien mériter de porter son nom, surtout quand il n'y a pas eu honte de lui donner devant Dieu et devant les hommes. Pour moi que tu dis ça, tu perds ton temps. Mais où est-ce qu'elle est, cette fois-ci? Ah, qui sait? Elle était entrée en religion pour expier ses péchés puis les tiens? Elle n'a pas fini de prier. Oh. Non, mais c'est-tu possible? Faire encore des farces de même quand on a quasiment déjà un pied dans la tombe? Non, c'est pas croyable. L'autre fois, toi, je te lève d'un moribond. T'approches toujours bien de 70 ans, hein?
Mais l'espère. Le bon Dieu veut te joindre bien, toi, que ça se passe cette année, dans 5 ans ou bien dans 10 ans. Marie-Rose, Julien, je suis pas venu ici pour entendre tes sermons. Je suis venu ici pour chercher Annette, et je la ramènerai que tu le veuilles ou non. Annette! Annette, c'est assez, ça. Montre-toi! Je le sais que t'es ici. Ma peine de fouiller la maison de fond en comble, je te trouverai. Annette! Je le sais qu'elle est ici. Je le sais. La preuve qu'elle est venue, c'est que tu m'as rien que demandé des nouvelles d'Albert quand je suis arrivé. Tu vois? Comment est-ce que tu aurais su qu'il était malade s'il n'était pas venu? Puis ce que je lui ai fait, Annette, qu'est-ce qu'elle a reçu de te raconter ça, elle mise à part? Hein? C'est écrire, puis moi je sais lire. Bon, tout toi donc. Annette! Si tu ne montres pas tout de suite, tu casses toute la maison. Puis s'il faut que j'assomme ta mère par-dessus le marché pour te faire sortir de ta cochette, je m'en priverai pas! Jérémy! Oh, si t'as le malheur! Bon, ben, nous, si tu bimes. Crie plus fort! Je le savais bien! Lave-la ta fille, Marie-Rose! Essaye de me l'enlever! Essayez donc, tout le monde, essayez! Je voudrais bien avoir celui qui viendrait nous séparer. Je voudrais bien avoir un maudit qui viendrait me dire qu'il n'est pas à moi. Même si c'est pas le bon Dieu qui me l'a donné. Dis-y, Annette. Dis-y donc, on n'est pas séparables. Dis-y donc, il s'est passé trop de choses entre nous autres pour qu'on puisse nous séparer. Annette. C'était vrai encore la semaine dernière. Aujourd'hui, ça l'est plus. Annette. Il n'y a plus d'Annette pour vous. Je pensais que je comptais dans votre cœur. Je pensais que je représentais quelque chose à vos yeux. Mais aujourd'hui, je sais que je me trompais. T'as pas compris, Annette, pourquoi j'ai fait ça? Oh, je t'accorde, Mich. Je t'accorde que c'était bête. Oui, c'était bête. Parce que... Maudit, je vais être capable de le dire. Mais tu ne l'as pas deviné, toi qui comprends toujours tout. J'avais peur, Annette. J'avais peur de te perdre. De me perdre? Non, maman, restez. Il dit qu'il avait peur de me perdre. Explique-toi. Elle a rien que de s'en aller depuis quelque temps. C'est-tu pour lui laisser son magasin qui la rendait indépendante? Il fallait que je la réduise à la pauvreté pour la forcer à rester avec moi. J'avais-tu un autre choix? J'en avais-tu un? Il dit qu'il avait peur de me perdre. Je pensais qu'il avait fait passer ses affaires avant moi par indifférence. Par mépris, même. C'était pas ça, c'était... C'était... Une marque d'amour, peut-être? Oui, une marque d'amour. Oui, ben ça se paye, ça. Une marque d'amour, ma petite fille. Tu penses pas, toi, Jérémy? J'ai pas besoin de preuves. Mais es-tu toute seule au monde? Il y a Martine. Délivre, ça. Ben si tu l'aimes, Marie-là... Jamais! Ah, leve-la, son amour! Jamais, jamais, au grand jamais! Si c'est pour ça que tu m'as attiré ici, t'en seras quitte pour tes frais. Elle t'a attiré ici, elle? Oui, elle! Je savais bien que je ferais tout pour te retrouver. Si vous avez manigancé ça ensemble, toutes les deux, pour m'avoir, vous m'aurez pas! Le mariage, comptez-y pas! Jamais! Je te l'ai dit, je ne me marierai jamais. C'est clair que je remplacerai ma femme par... Jérémy, reste pas ici, tu vas te salir. Non, tu es folle, toi. C'est pas... Attends. Non, je veux te parler. Va-t'en pas, Annette. Tu l'as connue, toi. Tu le sais que c'était pas une femme comme les autres. Toi-même, t'as pas pu t'empêcher de tout lâcher pour venir la soigner quand elle tombait malade. Même si tu pensais d'avoir...
de la détester de toutes tes forces. C'était une femme. C'était une femme. Ferme la porte, Marie-Rose. C'était une femme. Une femme. C'est pas moi. Mais aide-moi donc. T'es plus fine que moi, Annette. Tu comprends? Tu comprends, tu le sais que je peux pas lui faire l'injure. Comprends-tu, Annette? Tu comprends, Annette. Hein? Tu le sais. Je sais que c'est pas par le mépris de toi. Comment est-ce que je pourrais te mépriser? Moi, je suis rien qu'un vieux mécréant. Tu vaux 100 fois mieux que moi. Mais demande-moi pas ça. N'importe quoi, mais pas ça. Ça, je peux pas te l'accorder. J'aimerais mieux te donner tout mon argent. Il fallait. Tu sais que j'y tiens. Mais pas ça. Pas mon nom. Qu'elle a porté. Tu comprends? Tu le comprends, Annette? Je trouve pas les mots qu'il faut pour t'expliquer. Je suis pas capable de parler de ces affaires-là, mais essaye de comprendre, miséricorde. C'est tellement important que tu comprennes. Non, c'est pas possible. Et pas seulement à cause de ce que vous dites, mais pour d'autres raisons que vous connaissez pas. T'as gagné, Jérémy, hein? T'as gagné encore une fois. Mes félicitations. Est-ce que j'ai gagné? C'est vrai qu'il veut pas. Vous l'avez pas connu, vous, Madame Martin, c'était... Oh, y a raison. Rien que l'idée de la remplacer est déjà ridicule. Et c'est en plus, c'est par moi. Emmène-la, Jérémy. Il faut bien qu'il y ait encore des bourreaux, puisqu'il y a des gens qui sont prêts à être des victimes. Mais tu l'as, là, ta victime. Bien. Non. Que je puisse pas être votre femme, je l'accepte. Mais je veux plus faire partie de votre vie. Quoi? Je vous demande rien, allez-vous-en. Faut-il que je continue à traîner dans l'ombre de vos jours parce que votre femme était une espèce de sainte? Vous croyez pas qu'il serait temps que je pense à ma vie, à ma propre vie, dans ce bas monde et dans l'autre? Attends, dis plus rien. Non, j'y ai pensé, moi aussi. On va en discuter tous les deux, mais pas ici. Je m'en vais, là. Je ne vais pas loin, juste à la maison d'à côté. Je t'attendrai. La maison d'à côté? Quelle maison d'à côté? Il n'y en a pas 36. La mienne, la maison de mes parents. Viens, tu fous, Jérémy Martin? Une maison qui a été abandonnée depuis à peu près 40 ans? Ben, as-tu envie d'attraper ton coup de mort? Ça doit être humide comme dans un caveau, là-dedans. Maurice a dû allumer le poêle, d'ailleurs. Je ne serai pas longtemps. Annette va venir me rejoindre. Non, je vous l'ai dit, c'est fini. Vous serez là s'il faut, mais je t'attendrai. Il faut qu'on se parle. Tout le tendon à Montréal. Une espèce d'entêté. J'irai pas. C'est inutile, j'irai pas. Tu vas venir. Il faut qu'on se parle et sans témoin. Ah, t'as peur de moi, hein, Jérémy. Je t'attendrai, Annette. Je partirai pas avant que tu sois venu. Quand on aura parlé tous les deux, tu décideras toi-même. Et tu dois t'en revenir avec moi à Montréal. Ou si t'aimes mieux rester ici. Bonsoir, Marie-Rose. Marie-Rose Pépin. Il s'entête à croire que j'irai.